Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de tout le monde. Donc ça dérange les bronches, ça provoque des crises d'essoufflement. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches qui se manifeste par des crises d'essoufflement, hein, comme je l'ai dit, une toux, une respiration sifflante et parfois une gêne de respiration permanente. Il provient d'une prédisposition génétique associée à de l'allergie et à des facteurs dits favorisants. Entre autres, nous avons le pollen, les acariens, les blattes et aussi les moisissures. Donc ce matin, nous avons avec nous Dr Messin Comelan, donc qui est médecin généraliste. Et puis en seconde partie donc, de l'émission, nous allons répondre aux questions des téléspectateurs. Donc sur un seul numéro, bien sûr, le 79-84-27-52. Donc c'est quoi l'asthme? Comment gérer les crises? Pardon. Explication de Dr Messin Comelan, donc qui est avec nous ce matin. Bonjour docteur. Bonjour madame, bonjour docteur, bonjour tous les téléspectateurs. Ravi de vous avoir sur le plateau. Ah bah merci, hein, surtout à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour docteur Pissal, comment ça va? Bonjour madame, je vais très bien. Très très bien. Ouais, ça va. Prêt? Merci. On y go? On oui, y va. Pour l'asthme, je vais très bien. Bonjour très cher téléspectateur. Donc docteur Messin, donc on a décrit en long et en large un petit peu tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'asthme et puis c'est quoi les causes. Mais dites-nous réellement, c'est quoi cette maladie respiratoire qui dérange vraiment, vraiment les bronches? D'accord. Merci pour la question. En fait, l'asthme, c'est une maladie en fait pneumologique. C'est pas une maladie dermatologique, c'est pas une maladie cardiaque. Non, c'est une maladie pneumologique. C'est une maladie qui attaque rien que les poumons. Donc, c'est une maladie qui est chronique également. Donc, c'est une maladie inflammatoire chronique qui attaque les poumons, spécialement des voies aériennes. Donc, si on prend les voies aériennes, du nez jusqu'aux poumons, jusqu'aux alvéoles, c'est une maladie qui attaque toute cette branche-là. Donc, et c'est une maladie qui cause également quoi? La toux, comme vous le connaissez. Il y a des sifflements. Et il y a des oppressions et thoraciques, ça veut dire que la personne est étourdie, la personne sent que quelque chose est en train de comprimer son thorax, sa poitrine. Et la personne aussi a des sensations de manque de souffle. La personne n'arrive pas à parler, la personne manque de souffle en fait. Et donc, tout... ça c'est les éléments déclencheurs. Non, ce sont les signes, en fait, les symptômes qui suivent lorsque la personne souffre de l'asthme. Ok. D'accord. Donc ce sont ces maladies-là qui sont... En fait, c'est dû à quoi? C'est dû à... une rétraction de cette branche-là, du nez jusqu'au poumon. Donc, tout ce tuyau-là est rétracté. Et la lumière, c'est comme si on prend un tuyau comme dans lequel... là, on a les photos-là sur les images. Effectivement, donc la trachée, normalement, on prend un calibre de peut-être de 2 mm. En cas d'asthme, la trachée devient à 1 mm. Ça veut dire que l'air qui doit passer normalement dans les 2 mm-là ne passe plus. Ça réduit complètement. Ça veut dire que le poumon n'est plus nourri. Et ça veut dire que la personne manque obligatoirement de l'air. Parce que c'est le poumon qui fournit de l'air à l'organisme. Donc, si le poumon manque de l'air, obligatoirement, qu'on doit manquer de l'air également. Et qu'on souffre d'asthme. Et puis, c'est une maladie chronique. C'est une maladie qui survient dans le temps. Ce n'est pas une maladie aiguë. C'est pas comme le paludisme. Tu souffres et tu en guéris en même temps. C'est une maladie qui est chronique. Ça veut dire que tu en souffres dans le temps. Et continuellement. Donc, quand on l'a, c'est à vie, quoi, c'est ça, hein, c'est docteur Fessal. Oui, quand on a l'asthme, c'est à vie. C'est à vie, et tout de suite, je l'ai dit, en fait, les signes qu'il vient de décrire proviennent, en fait, de toute cette association. Il y a d'abord une prédisposition génétique. Il y a ensuite ce qu'on appelle les facteurs environnementaux favorisants. Oui. Donc, c'est ce qu'il a dit. On va y venir dans les questions. Qui peut être touché par l'asthme? D'accord. Qui peut être touché par l'asthme? L'asthme, c'est une maladie cosmopolite. Tout le monde peut être touché. Les blancs, les noirs, ça c'est côté race, les ethnies, tout le monde peut être touché. Maintenant, parlant des adultes, tout le monde peut être touché des adultes, les vieux, les enfants, même les nourrissons. Parce que l'asthme survient déjà au premier âge. L'asthme ne survient pas peut-être à 5 ans ni à 10 ans. Non, l'asthme, on peut voir déjà l'asthme lorsque l'enfant a déjà 1 an ou 2 ans, voire 3 ans. Donc on peut déjà diagnostiquer l'asthme à cet âge-là. Donc tout le monde peut être touché par l'asthme. Personne n'est épargné par cette maladie. Et donc, du coup, les causes, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Donc, on le sait comment déjà qu'on a l'asthme, c'est-à-dire ça se détecte comment? Dès la naissance, vous venez de dire, mais donc, quand par exemple un nourrisson, on donne l'exemple d'un nourrisson, hein, puisque ça part de là, oui. Donc un nourrisson qui vient d'arriver, ça peut être une toux normale ou ça peut être un rhume, ça peut être une grippe. Donc, comment on peut savoir que c'est l'asthme? D'accord. Chez le nourrisson, habituellement, on parle des crises de bronchiolite du nourrisson. Oui. Lorsqu'un nourrisson a
trois bronchiolites déjà avant 2 ans, on suppose déjà que ce nourrisson est asthmatique. Et faut pas oublier, comme le docteur Fischer avait dit. C'est quoi les crises de bronchiolite? Ah, je vais comme le docteur Fischer avait dit, il y avait les facteurs génétiques. Si dans la famille il y a une prédisposition à l'asthme et le nourrisson fait 3 crises. Avant 2 ans, automatiquement, le nourrisson est déclaré comme asthmatique et il est pris en charge comme un asthmatique. Maintenant, c'est quoi une bronchiolite? C'est la crise chez le nourrisson également. Mm-hmm. Parce que le nourrisson a peut-être des allergies. Déjà, on le soigne avec on le lave avec les savons, déjà avec des parfums et tout ça là. Le nourrisson développe déjà des allergies avec une toux, mais qui n'est pas une toux sèche comme chez le nourrisson, une toux un peu sifflante en fait. Oui. Et dans l'asthme, le sifflement est audible en fait. Mm. Lorsque je souffre d'asthme ici, je fais ma crise d'asthme ici, docteur Fischer de l'autre côté va attendre. Mm. Parce que ça siffle vraiment comme on siffle. Donc déjà, ce nourrisson-là a ces signes, a ces symptômes-là et présente ces sifflements-là. Mm. Associé à d'autres symptômes, et il est consulté à l'hôpital une fois, deux fois, trois fois avant 2 ans, ce nourrisson est déjà asthmatique. C'est pourquoi, habituellement chez les nourrissons, il y a toujours un carnet de suivi de ces affections pneumologiques-là. Donc, en gros, ça peut être, comme on disait tout à l'heure, les causes. C'est donc un savon qui ne convient pas du tout à la personne, que ce soit le nourrisson ou à n'importe qui. Donc ça peut arriver n'importe quel moment de l'âge, enfin de la vie, en fait. Effectivement. Habituellement, c'est découvert au bas âge. Oui. Mais on peut le découvrir peut-être à 10 ans, à 15 ans, à 90 ans. Oui. Ça par rapport aux facteurs déclencheurs également. Si tu es dans un milieu qui n'y a pas de facteurs déclencheurs, mais que quand même tu es prédisposé à faire l'asthme, il n'y a pas de souci, tu feras l'asthme peut-être à un temps donné. Mais ce sont des cas qui sont rares. Et vu nos contextes actuels en Afrique, il y a toujours les conditions qui sont défavorables. Habituellement, l'asthme se déclenche automatiquement à l'âge basse. Mais je pense aussi qu'en dépit des signes cliniques qu'il vient de citer, il y a quand même des examens paracliniques aussi que l'on peut faire. Donc, entre autres, il s'agit de la spirométrie. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, il faut toujours voir un spécialiste de la santé. Oui. Effectivement. Il y a la spirométrie que l'on peut faire, qui peut confirmer si vous êtes vraiment asthmatique ou si vous ne faites que des crises d'allergie. Voilà. Donc, en gros, pour tout ce qui est poussière et les acariens, donc, le domicile doit être toujours aéré, quoi. Toujours. Normalement, mais vous connaissez nos contextes actuels en Afrique. Bon, est-ce qu'on peut se permettre ce luxe-là? Bon, imaginez dans les coins de pilier. Ouvrir la fenêtre, comme on dit souvent, ouvrir la fenêtre 10 minutes avant, au moins, pour vraiment tout laisser passer, les microbes et tout ça. Et avant de fermer, avant de partir au service, hein, mais ça, c'est faisable. Oui, en milieu urbain, c'est faisable, mais en milieu rural, c'est ça qui est le souci. Oui, et je pense qu'il parle, que le docteur Mensah est en train de parler même de la proximité aussi, oui. De la proximité, parce que déjà, les maisons sont assez proches, donc comment ouvrir la fenêtre, comment aérer, on a peur que le voisin regarde à sa chambre. Effectivement. Il y a tout un tas de facteurs culturels qui interviennent dans ce Donc, en gros, au Togo, il y a énormément de cas d'asthme ici, quoi. Oui, au Togo. En fait, au Togo, on avait... En fait, dans le monde, il y a 300 millions de personnes qui souffrent d'asthme. D'asthme, oui. Ça, on ne peut pas le dire. Ouais, ouais. Mais 300 millions. C'est le pollen et tout ça, vous l'avez cité tout à l'heure, docteur Fischer. Effectivement, 300 millions de personnes. Donc, personne n'est épargné. Et au Togo, on avait fait une étude en 2017 ou bien en 2016, je crois. Oui. C'était à 16% de la population qui souffre d'asthme. En fait, c'est les pneumologues même qui ont fait l'étude, cette étude-là. Oui. Donc, on sait que 16% de la population souffre d'asthme. Donc, déjà... C'est quand même important d'en parler et de faire appel aux populations de faire attention vraiment à ces maladies. À ces maladies. Et comment on arrive à gérer les crises, hein? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc quand on est essoufflé, enfin quand on respire avec un sifflement dedans, donc c'est-à-dire mon voisin, comment on peut savoir que je suis en train de faire une crise d'asthme? D'accord. Habituellement. Les crises d'asthme, tout le monde le reconnaît parce qu'il y a les sifflements. Mm. Il y a les sifflements. Bon, en éveil, on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle ça en éveil vraiment. Ce n'est pas Borwe. Borwe, c'est un autre croix. Mais lorsque la personne siffle, tout le monde sait que c'est l'asthme. Et tout le monde connaît un peu les bronchodilatateurs inhalés. Mm-hmm. Donc, déjà, si l'enfant commence déjà par. Et à 2 ans ou bien à 3 ans, est déclaré asthmatique. Ça veut dire que l'enfant est déjà mis sous traitement. Mm. Enfant grandit, peut-être à l'âge de 10 ans, il va à l'école. On le déclare parce qu'on fait des certificats médicaux avant d'intégrer l'école maintenant. Donc l'enfant est connu déjà asthmatique avec les enseignants. Mm-hmm.
avec les amis également, parce que l'enseignant doit communiquer ces informations-là à ses collègues. D'accord. Si l'enfant fait déjà sa crise, parce qu'il faut décrire aussi la crise au professeur et aux collègues. Donc, si l'enfant fait déjà sa crise, parce que l'asthmatique doit avoir toujours son bocal d'hydratant dans son sac. Habituellement, on a le bocal d'hydratant habituel qui est la Ventoline qu'on utilise habituellement. Oui, il y en a maintenant. Là, la Ventoline, je vous montre un peu, qui se présente comme ça. Donc, vous allez expliquer un peu comment. Je vais en venir. Donc, déjà, la personne fait la crise. La personne. Elle est là subitement, la personne est en train de siffler, la personne manque de souffle, la personne n'arrive plus à respirer. Et la personne, il essaie de prendre sa poitrine comme si quelque chose était en train de serrer sa poitrine. Déjà, tout le monde sait que c'est une crise d'asthme. Oui. Maintenant, comment gérer? Vu qu'on n'est pas à l'hôpital, nous, on gère ça médicalement. On a des médicaments, on a des produits, on a des moyens à laquelle on peut gérer efficacement. Mais imaginez quelqu'un dans un milieu reculé ou bien peut-être sur un camp avec les jeunes. Et qu'on n'a pas ces produits-là, on n'a pas un médecin sur place. Habituellement, on a conseillé aux gens de faire quoi? La première chose, c'est de mettre la personne en position demi-assise. Okay. En fait, lorsqu'on est assis, le poumon est en position verticale. Et l'air entre directement. Lorsque l'air entre là, sous le feu de la pesanteur, l'air descend directement dans le poumon. Et ça facilite la respiration. Donc, si la personne est couchée en train de faire sa crise d'asthme, il faut obligatoirement le mettre en position assise. Okay. Donc, déjà, la position assise, là, ça régule déjà la respiration de la personne. Maintenant, la personne doit avoir obligatoirement son bloc de tête dans le sac. Mais au cas où on est dans le village et qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que vous allez contacter de mettre en position demi-assise et de l'envoyer à l'hôpital. OK. Dans tous les cas, ce qu'il dit là, c'est concomitamment dans l'évacuation. Oui. Vous le mettez en position demi-assise, vous cherchez son bloc de tête dans le sac et vous le mettez dans la bouche de... Deux fois, deux plus tous les cinq minutes, en attendant d'arriver à l'hôpital. Parce que dans tous les cas, il faut arriver à l'hôpital. Parce qu'il faut savoir, l'asthme, ça peut s'aider partiellement. Oui. Lui-même peut s'aider comme ça. Ça peut s'aider totalement, spontanément. La personne fait sa crise d'asthme, à 2 minutes, 3 minutes. Il peut redevenir normal comme ça, sans traitement. Sans médicament, rien. D'autres, c'est obligatoirement avec traitement. Donc, comment savoir si cette crise-là va s'aider spontanément, partiellement, ou avec traitement. Donc, obligatoirement, il faut prendre le chemin de l'hôpital avant que ça ne soit même en route. Habituellement, les gens viennent à l'hôpital, ça c'est déjà... Bon, nous, on fait que constater les faits et essayer de revoir le traitement de fond que la personne a et de l'adapter. Donc, il faut savoir ces moyens d'urgence-là. Mm-hmm. Lorsque quelqu'un fait une crise d'asthme devant vous, mettez-le en position demi-assise. S'il cherche dans son sac ou bien... Et à côté de lui, s'il a son bronchodilatateur, et vous le mettez. Au cas contraire, vous l'amenez à l'hôpital. Et comment utiliser ça, la Ventoline? D'accord, je vous montre un peu. Je ne connais pas parce que c'est le lien. Ah, d'accord. D'accord. Donc, bon, habituellement, ça se présente comme ça. Mm-hmm. Déjà, il faut savoir que ça, c'est juste le dispositif. C'est juste un dispositif. Ce n'est pas la Ventoline, mais c'est juste un dispositif. Parce qu'à l'hôpital, nous, on utilise. Et encore d'autres types. Il y a la nébulisation que les asthmatiques connaissent très bien. Il y a l'oxygène. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise à l'hôpital. Même la nébulisation, il y a encore différents appareils. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment le bronchodilatateur. C'est un aérosol. C'est du liquide dedans. Mais lorsqu'on va presser, ça va sortir en forme de gaz, forme de buée. Et ça va descendre automatiquement dans les poumons. Donc on ne le met pas dans le nez. Donc c'est pourquoi on a fait ce dispositif. On l'adapte et là vous ouvrez. Donc, habituellement chez les enfants, comme l'enfant apprend toujours à respirer, on ferme son nez avant de lui mettre. Mais chez un adulte, il peut bloquer sa respiration et il aspire dans la bouche. Donc on bloque la respiration et on en met combien de doses? Deux doses. On aspire encore dans la bouche. Oui. Et maintenant, lorsque vous aspirez les deux doses dans la bouche, il faut que vous respirez profondément parce que le médicament est fait pour le poumon. Le poumon n'est pas juste ici, le poumon n'est pas superficiel. Le poumon est dans le thorax, c'est un peu profond. Et ça va descendre jusqu'au niveau des alvéoles, genre la partie basse du poumon. Oui. Donc il va falloir respirer profondément pour pouvoir aspirer carrément le médicament jusqu'aux alvéoles. Parce que ce sont les alvéoles qui vont essayer de faire fonctionner et la respiration. Donc si vous ne respirez pas profondément pour que le bronchodilatateur essaie d'atteindre les alvéoles,
ça ne sera pas efficace. C'est vraiment important. Certes, vous avez la ventoline, mais comment vous l'utilisez, c'est ça important. C'est ça aussi, c'est ça qui est important. Parce que les gens viennent à l'hôpital, on les met sous un traitement de fond et sous ventoline, mais après ils reviennent, ils disent que ça ne travaille pas. Et on leur dit de montrer comment ils utilisent. Bon, ils n'utilisent pas de la meilleure manière. Donc c'est vraiment important. Bloquer la respiration, d'accord. Mettre deux doses et laisser descendre jusqu'au poumon. Effectivement. Si, en fait, pourquoi on utilise les bronchodilatateurs? Oui. Comme je l'avais dit, là, vu que le tuyau est de 2 cm habituellement et que ça réduit à 1 cm, ça veut dire que ça comprime le tuyau. Oui. Donc, ce médicament-là est pour dilater. Ça comprime, donc ce médicament-là est pour dilater encore le tuyau pour pouvoir avoir sa forme de 2 mm normalement. Donc, c'est pourquoi on appelle le bronchodilatateur, dilater les bronches. Parce que l'asthme cause une constriction des bronches. Des bronches. Voilà. Et docteur Fissel, donc vous, quand vous avez, ça vous est déjà arrivé de recevoir des patients qui... Oui, les patients asthmatiques, ça n'en manque pas à l'hôpital. Ça n'en manque jamais, ça n'en manque jamais. Et donc, du coup, ça ne vous affole pas quand ils arrivent comme ça avec des respirations Non, ça dépend parce que la personne, déjà, elle-même, elle sait d'avance qu'elle est asthmatique. Elle sait quand même depuis un moment qu'elle est asthmatique. Donc, elle vient même déjà avec son bronchodilatateur à main. Et il y en a même qui ne viennent à l'hôpital que parce que le bronchodilatateur ne marche plus. Effectivement. Voilà. Donc, il va falloir maintenant faire recours à d'autres méthodes, à d'autres moyens thérapeutiques pour pouvoir le faire sortir de sa crise, lui mettre sous oxygène et avec des indications précises. Très bien, docteur Fissel. Écoutez, on va marquer un temps de pause, hein, on revient juste après les informations.